Salut, c'est Shunji et moi aussi pour le 13e épisode de Subnautica. Apparemment, dans l'épisode précédent, j'aurais oublié de réparer les moteurs. En fait, j'étais bien passé à côté des moteurs. J'avais vu qu'ils étaient endommagés, effectivement. Donc, ça, je peux pas le contester. Mais pour moi, il fallait pas les réparer parce qu'il n'y avait pas de notification réparée. Du coup, je m'assure d'avoir bien mon outil de réparation sur moi. Tac, voilà, je l'ai bien installé sur moi. Aïe! On s'assure aussi bien de prendre la première pompe qu'on voit. D'ailleurs, on va réparer directement ce gentil petit vaisseau, enfin, mon petit sous-marin. Et on va refoncer droit là-bas. Bon, et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pu constater dans le dernier épisode? C'est que les moteurs étaient bel et bien endommagés. Et j'ai pas compris que je pouvais les réparer. Maintenant, j'ai un réel souci. C'est que je sais que mon pire ennemi, qui est bien sûr le Léviathan, se trouve droit... Là il est assez haut. Non, il est encore bugué. J'ai jamais arrivé à pour le prendre celui-là, hein, l'objet. Jamais pour le récupérer. Oups. Donc le Léviathan, ben, il me fait toujours aussi peur. Et maintenant je sais qu'il peut aller même devant. Pile poil devant le truc. Donc là en fait... Il est où le vaisseau? Je me dirige pas en bonne direction. Merde, l'aurora a disparu. Je suis où? Je suis allé par où? C'est pas vers immersion que je suis allé, c'est par là, on est d'accord. Oh, c'est quoi ça? C'est... Non, c'est une grande créature aquatique, ok, pas de soucis. Mais donc du coup, je sais qu'il y a un Léviathan qui m'attend. Je sais, non, pas que... Je sais pas qu'il y a un Léviathan qui m'attend. Je sais qu'il y a un possible Léviathan qui m'attend. Par contre, je dois aller par où? Ah, l'aurora là. Là, il est disparu, on est d'accord. Oh putain, c'est-à-dire que je me dirige droit vers un Léviathan. Moi qui en ai la frousse depuis le début, je me dirige droit dans la gueule d'un Léviathan. Attendez, mais je peux y crafter le prone aussi, dans le dernier épisode. J'ai débloqué de quoi crafter le prone. Est-ce que je peux y aller en prone jusque là-bas? Peut-être que le prone peut se battre contre le Léviathan. Non, je sais pas. Donc on va aller voir si je peux faire ça, parce que ça me rassure pas du tout, moi, d'aller vers le Léviathan. Et non, pas du tout. C'est le truc que j'essaie d'éviter. Par contre, là, il fait chaud, on est d'accord. Donc non, je peux pas y aller. Mais j'ai un truc thermique maintenant. J'ai une armure thermique qui m'a fait dire une certaine température. Est-ce que je peux aller là-dedans ou pas? Du coup, je sais pas. On va essayer de voir si j'ai le temps à cet épisode-ci de le faire. Si... Enfin, c'est pas plutôt si j'ai le temps. C'est plutôt si j'ai le courage d'aller... de continuer une fois que je serai traumatisé par quelconque poisson. Un Léviathan, entre guillemets. escalier pour monter. Est-ce que je peux crafter donc le prone? Ah! Ah, je peux crafter le prone. Cristal d'oxyde d'aluminium, lingot de plastacier, aérogel et lubrifiant. Je peux crafter un autre truc là, non? Je peux crafter le cyclops? Immense sous-marin industriel. Ah, c'est ici qu'on le craft. Ah, mais je peux crafter plein de trucs. Moi, je crois que c'était que le simote. Ah, mais je suis bon là. Attendez, ça s'appelle comment ceci en fait? B à véhicule. C'est pas ça qui fait le truc d'immersion, on est d'accord? C'est ça qui fait le truc d'immersion. J'ai un truc maintenant. Structure d'habitat 5. Parce que moi, ce que je voulais poser, salle de ma multifonctionnelle, ingrédients inconnus. Oh putain, il faudrait que je la prenne pour apprendre tous les trucs. Salle multifonctionnelle, ça va être une grande salle, ça. Par contre, moi, ce qui m'intéressait de crafter, c'était ça. Station de modification des véhicules, parce que je modifie mes véhicules. Il y a comme qui dirait un poisson qui m'en veut un petit peu dans les environs. Aussi bien un petit poisson comme ça, ça me fait pas peur, c'est pas un Léviathan quoi. D'ailleurs, j'ai mon module d'amélioration sur moi, mais j'ai pas d'améliorer le truc si je dois retourner au vaisseau. Ce serait même une très très mauvaise idée selon moi d'y aller avec ceci sur moi. On ne sait jamais ce que je pourrais perdre lors d'une mort, vu que je n'ai jamais encore pu constater les résultats d'un décès. On va quand même prendre un extincteur avec, comme ça on est bien. Réfléchis Shunji, est-ce que tu as besoin d'autre chose? Non. Mais tu voulais crafter le prone. Alors est-ce que je peux crafter les différents composés que j'ai vus dans l'histoire? Matériaux avancés, benzène, fibre synthétique, non. Lingot de titane, tac tac tac. J'ai rien en acier, on est d'accord. Ah, lingot de plastacier, si, lingot de titane et lithium, donc ça c'est bon. Il y avait quoi d'autre aussi? Un truc d'aluminium, je sais pas trop quoi. Ah, le truc d'aluminium, on dirait pas que je puisse le crafter.
Batterie haute capacité et l'aluminium. Le truc à l'aluminium, je peux pas le crafter, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore obtenu. De quoi le faire, tout simplement. On va aller vérifier un coup quand même parce que bon, j'ai pas envie de mourir stupide. Mais normalement, mais de toute façon, le prône, je suis sûr que le prône, je vais aussi l'améliorer. De base, je pense que je dois améliorer mes véhicules. Oui, c'est ça, oui, pardon, pour je clique. C'est aérogel et cristal d'oxyde d'aluminium que je n'ai pas encore obtenu. Des cristals d'oxyde d'aluminium, j'imagine que je peux le trouver directement dans la nature. Et les lingots de plastifié, je peux crafter. Aérogel, je pense que je peux crafter. Donc tout ça est craftable. Et l'autre, c'est quoi? Lingot de plastifié, lubrifiant, kit de Kibler. Ouais, donc je pense que je peux tout crafter. Mais je pourrais pas les améliorer dans tous les cas. Vu qu'il faut le truc d'immersion. Donc ça, c'est à voir plus tard. Donc. On va faire en mode j'ai peur de rien et on va aller droit dans ma mort concrètement. Donc maintenant je sais que en fait s'il y a le Léviathan de présent, bon alors on m'a dit que le Léviathan peut pas monter à une surface supérieure à 10 putain, il fait vachement sombre. À une surface supérieure à 10 mètres de fond. 10 mètres de fond c'est-à-dire que. Mais pour moi il était déjà à 10 mètre de fond là tantôt. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu là tantôt c'est parce que j'ai tourné le premier épisode ce matin. Et pour moi j'étais plus ou moins à cette hauteur là. Là je me dirige probablement derrière. En fait le truc c'est que je sais que je me dirige droit dedans quoi. J'ai vraiment envie d'aller sur le dos du bazar là, de ce gros bidule, et de me cacher avec pour avancer. Voilà, là je commence. Là j'ai les premières gouttes de sueur qui tombent. Mais ça va parce que je commence à le maîtriser le truc dans le sens où je suis déjà. Non, je tourne, je suis trop à droite là. Mais en fait j'ai peur de tomber pile poil dessus parce que je sais qu'il y a tout à gauche. Mais j'ai peur de me faire prendre au dos par un truc comme ça aussi. Voilà, là c'est le moment où je calme ma respiration. Je saurai une prochaine fois, une première fois pardon. Non, je prends la pile quand même. Je regarde s'il y a un truc ici. Ok, tu prends ta respiration, tu profites de la zone d'observation ici. Tu observes qu'il n'y a rien. Oh, il y a une deuxième caisse. Qui ouvre des caisses, qui ouvre des caisses. Et une batterie, c'est ça? Une bouteille d'eau, il y a quoi d'autre? Il y a rien d'autre? C'est dommage, il y a des caisses sur des caisses. Je dis en fait plein de conneries pour me rassurer, c'est ça le truc. Ce jeu est angoissant au possible quoi. Ah c'est. Voilà, là c'est. J'ai ma première goutte de sueur qui. Est en train de perler sur mon front. C'est atroce comme ce jeu a la capacité de. Je suis vraiment bien derrière en fait. A la capacité de. C'est pas. Oh putain, j'ai l'impression. C'est pas le mot refroidir qu'il faut utiliser. C'est le mot tout simplement m'effrayer, m'horrifier, me faire me paniquer, me faire transpirer, me provoquer des envies suicidaires. D'attendre la fin de la nuit, mais je vais pas faire comme la dernière fois. Après, si je m'horrifie que je reste bloqué maintenant, j'avancerai jamais quoi. Quoi, m'horrifier moi? Non, pas du tout. Allez, je te dis, tu regardes pas, tu fonces, tu fonces, tu peux le faire. On doit rentrer. Là, je dois rentrer par là, ça tremble. C'est pas un Léviathan, j'entends pas le bruit du Léviathan. Je me mets le plus proche possible, quitte à me mettre un petit peu sur la bordure. Voilà, voilà. Voilà, quitte à carrément me poser. Voilà, quitte à me poser là. Là, je suis bien. Là, je devrais pas faire une grande distance à la nage après. Et bien, je disais que j'avais une goutte de sueur, mais là, j'ai complètement. Je commence à. C'est comme si. Commencer à courir et que je commençais à piquer des sprints et tout ça, je commence à avoir vraiment la sensation de stress quoi. Mon corps ressent le stress là, c'est approuvé par moi-même, je suis actuellement mal. Très mal, je me sens pas bien quoi. Ah mon dieu, oh mon dieu, mon dieu. Tant de frayeur dans mon petit moi. Donc a priori ce serait ceci que je devrais réparer, et oui c'était totalement réparable, j'avais pas. C'est bizarre. Quand je suis passé dans le premier épisode, dans l'épisode précédent, plus 70. Car la dernière fois que je suis venu ici, pourtant, il n'y avait pas la possibilité de réparer. Mais non, c'est pas que c'était réparable. C'est ça qui me perturbe en fait, qui m'a perturbé.
les plonger dans l'eau. Donc là, je suis sous l'eau. Et donc là, par exemple, si je plonge et que j'ai rien à la main, ouais, c'est ça, il m'annonce rien. Donc je dois vraiment bien prendre le truc de réparation. Et encore, c'est pas évident. Et seulement à ces conditions-là, ça répare quoi. Je veux dire, sinon, je pouvais pas le deviner quoi. C'est atroce. Alors, du coup, je sais pas si je vais réussir une quête ou quoi que ce soit. Elle va me dire qu'il y a un boss qui pop ici parce que sinon je me chie dessus. Et si c'est ça la chambre d'immersion, non c'est celle directeur. Mais si je dois venir à l'Aurora à chaque fois que je vais utiliser la salle d'immersion, c'est-à-dire que je vais à chaque fois revenir vers les Léviathan, mais j'ai jamais. Là mon cœur ne tiendra jamais. C'est pas possible. C'est. Vous imaginez pas l'impression que ça me met de venir ici. C'est le prix. Vas-y, ben, c'est signé une autre avec si t'es parti. Ah, je les ai banalisés encore. Ah, je me suis fait brûler par, par le feu. Les sorciers, je les ai pas encore analysés a priori. Je sais pas pourquoi je ne peux pas les analyser. Parce qu'il y a le petit scanner qui apparaît en bas, du coup c'est-à-dire qu'il veut les analyser, mais ça veut pas les analyser, du coup je peux pas faire des miracles, hein. Je suis pas la première cause de miracles de France. Hein. Allez, soit je répare tout ça et je vous reprends une fois que c'est fait, sinon ça prend 10 ans. Et la dernière à réparer, ici, et on va voir ce qui va se passer à partir de maintenant. Est-ce que je vais encore avoir un arrêt cardiaque? C'est les niveaux de radiation diminuent. Ok, c'est positif. Ah, c'est-à-dire que je peux peut-être me balader sur la map sans radiation. Et voilà. Et voilà, donc je suis sorti. A priori, les seuls avantages, c'était bien ce que j'ai raconté au tout début. Enfin, au tout début, ce que j'ai raconté pendant que je disais, c'était juste les radiations qui ont diminué. Alors, j'ai pas envie de faire un test maintenant, je suis pas chaud. Là, j'ai juste un petit avec mon simote. Sauf que j'ai franchement la pétoche encore une fois. Parce que là je sais que j'ai pas de jeu save quoi. Je vais foncer tout droit. Et dans le pire des cas, si j'entends un truc gueuler, tant pis quoi. Je peux plus m'arrêter. J'entends pas crier, il est peut-être pas dans mon dos. Le truc c'est que je peux pas regarder seulement dans mon dos parce que je dois aussi surveiller mon devant moi quoi. Rien que surveiller mon devant moi ça aurait pas été évident parce que la dernière fois il était juste là. Voilà, on va dire que je suis assez au centre. Il y a un moment où il faut que je parte tout droit. Maintenant. Oh putain, je me suis pris un poisson. Voilà, c'est le moment où je décide de passer tout droit. Je vais regarder sur mes côtés au mieux que je peux. Et là, il y a une boîte à terre, mais j'ai pas envie de la prendre. C'est. Bon, c'est pas le moment. Et une boîte, c'est quand même tentant, mais non, c'est pas le moment. D'ailleurs, on va même sauvegarder un coup de jeu, j'ai pour qu'il freeze et que je revienne ici pour faire une deuxième crise cardiaque. Pourquoi il s'est mis à tourner comme ça ce con? Pourquoi il... Oh le coup de flip qu'il vient de me donner. J'en peux plus. J'en peux plus. Et j'ai l'impression que je suis sauvé. Je vais pouvoir rentrer chez moi. J'ai réalisé tous les objectifs qui devaient être réalisés dans cette base. Et me dites pas que je dois retourner à l'Aurora, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Alors, les derniers éléments pour crafter le cyclope sont tout simplement du quartz, ainsi que des dents de rôdeur. Donc là, il y a un rôdeur. Est-ce que, vu qu'il joue... Apparemment, c'est qu'il joue avec du métal qui risque de casser ses dents. Est-ce que par hasard, vu qu'il joue ici, est-ce qu'il n'y aurait pas du métal un peu plus bas ou... Merde, de te faire mal, ça sert à rien. Oh, je suis plus gros, je suis plus grand, ok. Mais tu vas te faire mal pour rien, allez. J'arrête de le frapper, du coup. Mais bon, je vais pas arriver à le choper. Du coup, il faut juste que j'arrive à trouver ces derniers éléments-là. Et je pourrais crafter le Cyclops. Merde, merde, je voulais vous montrer que je pouvais le crafter. Et j'ai cliqué trop vite. Et donc, du coup, voilà, je suis en train de le crafter. Tout se passe bien. C'est pas une taille négligeable. Oh putain, c'est gigantesque. C'est aussi grand qu'un Léviathan. Je pense que je peux... Putain, il va me tomber sur la gueule. Il va me tomber sur la gueule. Il m'est pas tombé sur la gueule, mais de peu. Ok. Ok, je rentre dans cette histoire. Ça tourne, ok. Monter à bord du Cyclops, c'est par ici.
Ah, oui, c'est par ici. Heureusement qu'il y a un petit indice pour nous informer comment ça fait. Welcome aboard, Captain. All systems online. Oh. Oh. Oh, c'est bien. C'est bien. Ouvrir bouton gauche. Aucun véhicule amarré. Ah, je peux amarrer un véhicule. Oh. Il y a des trucs et tout. Batterie haute capacité, batterie haute capacité, batterie haute capacité. Accès pour améliorer. Ah, le truc d'amélioration se trouve ici, ok. Ça, ça va être le réacteur. Est-ce que je peux prendre des câbles? Est-ce que je peux descendre? Je peux remonter de l'autre côté, ok. Et ici, j'ai les trois autres batteries haute capacité, ok. Donc ça, c'est bien. Et là, je peux circuler librement dans le Cyclops. Par contre, ça fait un boucan pas possible. Et donc, du coup, là, c'est pour descendre. Et j'ai des espaces de stockage non négligeables. Est-ce que je peux construire des choses dedans par contre? Si je prends constructeur d'habitat, tac, je le prends en main et je vais par exemple construire une échelle. On dirait pas que je peux. Par contre, si je veux construire plutôt des accessoires, une chaise, je peux construire des chaises. Du coup, j'imagine que je peux construire en fait tout ce qui est un distributeur par exemple. Je veux un distributeur. Ouais, je peux construire un distributeur. Je sais pas quoi ça sert, un distributeur automatique. Je sais pas si c'est juste de la déco ou si on peut vraiment chercher des choses dedans. Mais du coup je peux surtout crafter par exemple un aquarium. Bon d'accord, un aquarium c'est peut-être trop grand. Mais je peux surtout construire peut-être armoire murale. Je peux construire des armoires murales de ce type là, mais plus grand en face. Donc c'est peut-être plus intéressant de me placer dans le truc. Le chargeur, j'imagine que je peux et tout. Donc c'est bien, c'est vachement bien. Ah c'est vachement bien. Donc je pourrais upgrader full truc dedans. Full truc. Mais... Putain, mais on n'y voit rien. Wow, c'est peu pratique. C'est peu pratique à la navigation, en fait. Ouais, c'est pas peu pratique, c'est... Je vais faire un clic droit, je sais pas ce que ça fait. Oh, je peux utiliser les caméras et tout pour voir comment ça se passe. Ah, c'est une caméra sous le Cyclops. Ok, caméra 1, molette, utiliser la souris du bas. Ah d'accord, je peux changer de truc pour changer, ok. Bouton gauche de la souris pour la lumière. Ok. Ok, c'est vachement bien, c'est vachement bien fait, ça c'est vachement bien fait. Ok, et je fais comment pour sortir? Utiliser la molette pour éteindre les sorties, pour changer quand je fais. Escape, escape, ok. Est-ce qu'il y a une autre information sur laquelle je peux cliquer? On dirait pas. Et c'est moi qui fais ça. C'est-à-dire quoi? Attention. Ah, c'est l'hydratation. Attendez. On disait qu'il y avait quelque chose par ici qui était dangereux. Oh, je sais pas comment ça marche. Je suis au-dessus ou je suis où? Là, je suis au-dessus, c'est clair et net. Et là je suis en dessous. Je suis en dessous, ok. Et clic gauche de la souris pour faire l'éclairage, ok. Ouais, ok, bah, ça va prendre le coup. Ça va prendre le coup tout simplement. Comment je fais pour remonter déjà? C'est escape, voilà. Non. Comment je fais pour quitter ça par contre? Non. C'est quoi le point d'escalation? Ok, il y avait un truc tout proche à mon avis. Comment je fais pour sortir du truc? Je sais pas, mais comment je fais pour sortir? Eh, s'il vous plaît. Ah c'est d'accord, c'est pour sortir. Ok, bon, c'est un coup à prendre, c'est sûr. Mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'espace. Ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que je m'habituerai? Je sais pas. Station de modification. Noir. Ah, il y avait des trucs de, pour les couleurs. Noir, jaune. Non, attends. Noir pour la première, voilà. Tac. Donc, couleur très foncée. Donc très foncée, donc comme ceci. Jaune, voilà, comme ceci. Et puis rouge. Blou, poup, rouge comme ceci. Comme ceci plutôt. Oh là là. Là. Ok, et on va lui donner un name. On va l'appeler Roger. Je vais appeler Roger. Donne.
Ok, c'est quoi ça? Basculer interne off off. Attendez, ça m'effraie, ça plus que autre chose. Basculer l'éclairage externe on off. Ok. Et au niveau de la batterie, elle est où la batterie? J'ai pas d'informations sur la batterie du truc. Comment je sais si je suis bien ou pas? Oh là là, ça va pas être facile. Ça va pas être facile de prendre en main tout ça. Ok, les couleurs, je m'attendais à voir tout le véhicule qui était repeint. Est-ce que je peux aussi repeindre celui-ci? Je pense que oui. Mais c'est juste que je n'ai jamais vu l'option quelque part sur ce vaisseau. Peut-être que c'est par la suite en rajoutant les améliorations. D'ailleurs, j'ai obtenu des améliorations dans l'histoire. Donc, du coup, on va voir si je peux les appliquer correctement sur ce vaisseau. Enfin, sur les vaisseaux. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu comme amélioration? Donc, les améliorations que j'ai obtenues ici... Welcome aboard, Captain. C'est... ceci, tac, que je peux placer. Donc du coup, ça me fait une zone de stockage qui doit apparaître quelque part sur le vaisseau. Ah, qui est là, d'accord. J'ai accès à une zone de stockage. Un petit emplacement, ça peut toujours être utile. Est-ce que j'ai la même chose de l'autre côté? Non, ça apparaît seulement d'un seul côté. Entrer dans le C-Mode, entrer dans le C-Mode et tout ça. Et donc les upgrades, je peux toujours obtenir qu'ici. Accéder aux améliorations par en bas. C'est entrée ou entrée toujours. Donc en fait, il n'y a pas grand chose pour modifier les couleurs, on dirait. Et après, j'aimerais savoir si je peux rentrer dans le sous-marin avec ceci. Comment je pourrais rentrer dans le sous-marin avec ceci, sachant qu'il y a une zone de stockage. Ah, par ici. Ok. Et je suis extrait comme ceci. Stylé. C'est stylé. Et par contre, donc j'ai des améliorations aussi pour le Cyclops que j'avais obtenu il y a un ou deux épisodes. Ici, si je viens mettre ceci, c'est pour récupérer l'énergie recycle, la chaleur produite pour augmenter le rendement des moteurs, donc l'énergie consommée. Donc là je suis à 100%, je vais voir si je suis à 100% partout ou pas. Tac. Là j'ai déjà consommé tout ça d'un premier truc. Sur la petite distance que j'ai parcouru. Alors je veux juste savoir si je suis en lumière on ou en lumière off. Donc. Là je suis en on, là je suis off, ok. Là je suis on, là je suis off, ok. Et donc là maintenant je peux sortir du truc sans souci en faisant ceci et après en faisant ceci, ok. On va s'en sortir, ce sera pas facile au début, mais je m'en sortirai. Donc sur ce les amis, je vous dis ça, salut et à la prochaine, bye. Bon ben, ici je viens de trouver un réservoir haute capacité. Donc en fait j'avais prévu de finir mon épisode, mais je viens de trouver un réservoir haute capacité sur le pod numéro 3 qui est juste à côté de ma base, celui auquel je passais juste tout le temps à côté. Je viens de voir ça à terre, je viens de le prendre. Et réservoir haute capacité, c'est pour augmenter ma capacité d'oxygène. Je vais enfin arrêter d'être limité à 75, c'est pas si mal. C'est même plutôt bien. Donc là qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'équiper mon C-Mode, mon C-Clops tout simplement. Et ça prend un temps non négligeable, du coup j'ai décidé de le faire en caméra et de vous prendre, enfin, tout vous montrer le résultat dans l'épisode prochain. Mais s'il se passe des événements encore inattendus lors de ça, enfin lors de ma recherche, ben, je reprendrai à chacun des éléments parce que c'est toujours intéressant pour montrer les trucs inattendus et imprévus qui pourraient se produire. Ça s'améliore pas, j'ai mangé un truc pas frais. Regardez, si je fais F pour me scanner, self-scan, et il crée infecté sur mon écran de droite. Ça pue. Je suis infecté, j'ai mon truc qui clignote. Si je prends ça, je suis soigné, et si je fais ça, infecté quand même. Si je vois ma vie descendre, c'est pas bon signe. Bon, je vais vous montrer le résultat de mes constructions. Ici un rechargeur de batterie haute capacité, ici un rechargeur de batterie haute capacité, donc à chaque fois vous rechargez les batteries qui sont ici, donc ce sera suffisant. J'ai mis un distributeur qui me sert strictement à rien parce qu'à chaque fois que je clique ici, il me donne quelque chose. Et là, quelque chose qui me donne me coûte 3 de nourriture mais me retire 2 d'eau. Donc c'est pas du tout rentable comme histoire. Donc je n'approuve point ce fait. Sinon,
dès ce que j'ai fait ici, j'ai mis un aquarium où j'ai mis 4 poissons comme ça en espérant qu'ils vont se reproduire, hein, comme ceci que je vais manger une fois que je pourrai. Mais normalement j'espère que les autres poissons vont pouvoir se reproduire et donc j'aurai plus de poissons et que je pourrai donc les manger tout simplement. Ici, qu'est-ce que j'ai Ah oui, quand on se rapproche assez, on peut les analyser. Mais je pense que j'ai déjà analysé ces champignons. Ah non, je les ai pas encore analysés, les champignons roses. Ok. Bon bah, ça fait une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on m'annonce tac, 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 tac. Une US de champignons terrestres à spores avec des spores exploitables non comestibles. Avec des spores, si je donne un coup de couteau dedans. Ah, ça me donne effectivement pas mal de spores. Si je viens à côté et que j'ai déposé les spores. Tac, j'en pose 4. On verra bien ce que ça fait par la suite. Et ceci, c'est quoi? C'est un croquel tacheté. J'ai posé 3 pots de fleurs ici. J'ai remarqué que les plantes poussaient relativement bien dedans, dont l'arbre à bulles. Et donc, du coup, bah, ça me permet d'avoir de l'eau et de la nourriture à l'infini grâce à l'arbre. Parce que normalement, j'aurais beau le casser. Voilà, je peux plus. Mais j'aurais beau le casser, normalement, il n'est pas censé se casser. Enfin, j'aurais beau frapper dedans, il va pas se casser. Donc ça, c'est un point positif. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis construit en bas, j'ai mis un truc de médoc, j'ai mis un rechargeur de piles normal, et j'ai mis ceci, et je constate que dans sous-marin, il y a moyen de crafter des upgrades, balance de pression, réveille la structure atomique de la coque du sous-marin afin d'augmenter toute sécurité, la profondeur de plongée, lingot de plastifié et cristal d'oxyde d'aluminium. J'ai pas encore trouvé le cristal d'oxyde d'aluminium, donc je peux pas le crafter. Et donc voilà. J'ai bien progressé je trouve, donc je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode-ci. Je vous reprends donc dans un prochain épisode, dans le prochain tout simplement, en espérant qu'il se passe tout aussi bien que celui-ci.